Comment on fait ça? C'est un maudit PDF. Dans 30 secondes. Dans 30 secondes. On prendra 5 minutes après le show, si tu veux. Non, ouais, on va faire ma prochaine pause. Je vais être capable de me connecter. C'est pas pire, on va faire un quiz de santé live sur Facebook. Oui, c'est ça, un quiz santé live. Max, t'es récemment allé chez ton docteur? Oui, ben rien de sérieux, test oui. annuel. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait une couple d'années qui me suit, puis les rendez-vous sont quand même au privé, je l'avoue, je l'assume. Et pourquoi je serais gêné? Anyway. Non, puis, tu sais, honnêtement, ça dure presque 45 minutes. On se raconte, nous, on vit un peu, puis on jase, puis il pose des questions. Puis, il disait, tu sais, maintenant, on passe plus toute la panoplie de tests annuellement, à moins qu'il y ait vraiment un symptôme de quelque chose. Il dit, tu vois, on va juste checker une couple d'affaires, parce que, tu sais, bon. Et puis, on parle de cet été, puis tout, tu sais. Puis, il dit, comment c'était? Puis, c'est automne. Je sais pas pourquoi, moi, d'octobre, j'ai eu soif. Ça fait longtemps que j'avais pas eu soif demain. Okay. J'avais envie de boire. Okay. Rien d'alarmant, là, tu sais, je veux dire. Mais, tu sais, ben, l'alcoolisme, c'est ça, tu sais. C'est des up and down. Et puis, il dit, qu'est-ce que t'as fait cet été? Ben, j'ai vu tes photos, t'as fait bien des triathlons, tout ça. Fait, il dit, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait combien? Puis, là, je dis, pourquoi tu veux savoir ça? Il dit, que t'as fait combien? Fait, là, je dis, j'ai fait 5 demi-marathons. Ouais. Un marathon, puis. Deux demi-Ironman. Ouais, tu sais, rien de grave. Rien non, mais t'as même appelé, me dit, tu me niaises. Je me dis, pourquoi? J'étais dedans, je voulais me dépasser, surtout je veux faire le full cette année. J'étais comme, non, mais on est 6 ici qui pratiquent des sports, on n'a pas fait ça. Il dit, t'as déjà passé un test de TDAH. Pardon. Et là, je vois pas le lien. Il dit, de TDAH, de quoi tu parles? Il dit, souvent, les gens qui ont justement des toxicomanes ou alcoolistes, qui sont des excessifs, des extrémistes, et qui se défoncent comme tu fais, il dit, tu sais, t'as pas fait du sport, je sais pas, tu voulais être en forme. Tu as vraiment voulu pousser les limites. Et souvent, faut aller plus loin que juste le symptôme. Premier, et de voir, il me repose la question, il dit, ça te dérange-tu? On aurait pu faire passer un test de TDAH. Ben oui. Fait que je suis rendu là. Il n'y a personne dans ta vie, jamais, jamais qui a soupçonné que tu avais un TDAH. Attends, voici ce qui est drôle. Le soir même, je m'en vais souper chez Héloïse et Livia. Héloïse, c'est la mère de ma fille, ceux qui ne savent pas. On soupe les trois ensemble et je leur raconte ça. Oui. Ils font, ben oui. Ben oui. Ben voilà. Évidemment. Et depuis ce temps-là, tout le monde à qui j'en parle fait ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben là, on va valider ça de manière scientifique aujourd'hui. Ben moi, j'ai été diagnostiqué TDAH là, à peu près 5 ans. OK. Mais t'es médicamenté parce que moi, je pense que c'est léger. Je pense pas que je vais. Non, c'est pas léger. Écoute, on va faire un petit test. C'est pas vraiment scientifique parce que je pose pas toutes les questions. Ouais, mais parce que c'est quoi? C'est 200 questions, je pense, qui m'attendent. Ouais, écoute, c'est long, là. Ouais, ouais, okay. Oui. Puis moi, j'ai eu un gros 100%. Alors, on verra. On va donner un preview. OK. Attention. Maxime. T'arrives-tu souvent de ne pas prêter attention aux détails ou faire des fautes d'étourdissement, par exemple? Des fautes d'étourdissement? Ben non, mais t'es étourdi, tu sais, oublié quelque chose. Ben, tout le temps. C'est ça, c'est l'histoire de ta vie. As-tu déjà réglé, c'est ça, c'est une question. Est-ce que tu souffres d'insomnie des fois? Oui. Hier, OK, parfait. As-tu des tics? Oui. Quand je suis fatigué puis nerveux. OK. Ouais, le cou des fois, c'est ça? Ben, tu flattes les tits. Non, c'est juste parce que je m'aime. J'aime mes boules. T'as-tu souvent du mal à soutenir ton attention au travail ou dans les jeux? Oh, Seigneur! Pas dans les jeux, je suis quand même pas faire NHL, là. Attention, est-ce que tu contestes souvent ce que disent les autres? Oh, juste Marie! Oh, Seigneur! Calique, je t'en marre. Est-ce que souvent tu sembles ne pas écouter quand on te parle personnellement? Tu peux-tu répéter la question de la scène? C'est ça. Pour vrai? C'est pas les vraies questions qu'ils vont me poser. Je jouis. Est-ce que tu te mets souvent en colère? Moins qu'avant! Moins qu'avant! Moins qu'avant, dit-il pendant qu'il est en train de gueuler! Est-ce que souvent tu ne te conformes pas aux consignes? Mais là, c'est pas mal l'histoire de ma vie. Ça. C'est ça que c'est OK. Est-ce que tu parles souvent trop? Tout le temps. Ah, oh, voyeule, sérieux! Non, mais c'est-tu, c'est le vrai test! Oui, oui, je l'ai ici. J'en reviens pas! Es-tu souvent anxieux ou nerveux à propos de certaines choses? Non. Non, OK. Ben attends. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir! Ben, il a dit souvent. Des fois, je suis anxieux, ouais, okay, tout le monde l'est, mais pas souvent. C'est vrai, pas souvent. Est-ce que tu réponds souvent à une question avant la fin? De la non, question non, posée. Non, pas vrai. Je viens de le faire. Mais non, mais quand. Comment ça, tout Adam, le temps, toujours? Il a dit pas vrai. Ça s'appelle interrompre. Non, c'est parce que ce sont évidentes, des fois, les questions. Non, non, je te sauve des mots. C'est fatigant. Est-ce que tu interromps souvent les autres? Non. Je vous emmerde. Continue l'autre question. Est-ce que tu remues souvent les mains ou les pieds ou tu te tortilles sur ton siège quand tu es assis? Non. Là, t'es debout, tu te tortilles depuis tantôt. Tu tortilles tout le temps. T'es toujours en train de te tortiller. OK, hey, j'en fais-tu deux dernières, oui, mettons? Oui, c'est parce que j'ai tellement de fun. Est-ce que tu perds souvent les objets nécessaires à ton travail? Ben, c'est mon ordi. Fait que, mais tu traînes rien, de toute façon. Non, mon ordi, je traîne quand j'ai besoin. Moi, je pense qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Non. T'as pas jamais travaillé, toi? Non, mais mon ordi. J'oublie pas mon ordi. Là. Et finalement, est-ce que tu te fais souvent facilement distraire par des stimuli externes? Oui, Seigneur. Ouais, Seigneur. Bon, mais en tout cas...
Si jamais mec arrive le temps de mon examen de la prostate, on va laisser faire ça, ben. Non, mais ça, on le fera pas. Moi, je veux pas jamais que tu sois médicamenté parce que je t'aime comme ben tu oui. es. Non, mais je pense que c'est long parce que j'ai parlé avec quelqu'un, une fille en vingtaine qui fait des conférences, et elle a TDAH quand même assez... Elle est médicamentée, puis elle dit, tu peux t'en servir. Ah! Ouais. Ne vois pas ça comme un handicap, ne vois pas ça comme quelque chose... Non, mais c'est sûr que c'est pas un handicap, c'est ton génie, toi. C'est peut-être un grand mot, mais c'est fou d'un clown, comment de TDAH qu'on a, oui, c'est hallucinant. Clair. Ben oui. Mais je me demande pourquoi c'est la première fois qu'on m'en parle, par exemple, c'est ça qui me fait rire. Est-ce que tu parles trop, des fois? Non, mais tu m'as pas posé une question. C'est quand même ma job à radio, ben non? Oui. À venir, si vous avez déjà eu une mauvaise expérience sur Tinder, okay, c'est OK, moi, rien. C'est fini, vous me laissez mes problèmes, puis c'est réglé. C'est confirmé. Il interrompt, je coche. Alright. Voilà, c'est fait. Et en musique, c'est Weezer qu'on écoute tout de suite dans Anthropocène Énergie avec la reprise de Toto et d'Africa. Ah, mais c'est sûr que... Hey, c'est débile, Steve! Oui, c'est ça. Toutes. Allez, on va remplir le questionnaire médical. Je sais pas comment écrire. OK, là, t'es rendu avec le questionnaire médical. Tu m'en fous plusieurs copies, je vais peut-être avoir besoin des prochaines semaines pour des formes différentes de rendez-vous que je vais avoir, là, tu sais. Comment ça marche, ces affaires-là, qu'on puisse écrire sur le truc? Sur les PDF? Oui. J'ai jamais écrit sur un PDF, je pense que c'est mieux de faire copier-coller. Ou de l'imprimer. Ah oh, ouais. Non, c'est ça, hein. Faut peut-être que je le download. Mais tu peux pas écrire dessus. Tu pourras pas écrire dessus. Ah, OK, il veut qu'on l'imprime, alors. Je pense que oui. On peut avoir la carreau. Mais moi, je